le centre, Doukas. Allez. Second poteau, Pavard. C'est fini. C'est fini. C'est finito, Van Cyril. Il est finito. Salut tout le monde, bonsoir, bienvenue sur la GTV. On se retrouve pour un nouvel épisode des jeux d'enfance. Et cette fois-ci, c'est différent. Je suis en live. Actuellement, j'ai le chat sous les yeux. Je vous vois et vous allez m'aider à choisir les jeux, à choisir les boîtes qui sont derrière moi. À quoi est-ce qu'on va jouer ce soir? GameCube, Wii, Xbox. À vous de décider dans le chat. Installez-vous tranquillement. On est parti pour une grosse session. Bien évidemment, je ne serai pas tout seul. Et aujourd'hui, forcément, on est en live. J'ai appelé Dwagby, messieurs dames. Il est là. Salut tout le monde. Merci beaucoup de l'invitation. Ça fait trop plaisir. Merci à toi. Est-ce que tu kiffes ce petit studio? Bah, j'adore. Je l'avais vu forcément sur YouTube avec le bouseux. J'ai vu celle avec Amixem. C'était très sympa et j'avais envie d'y être. Parce que forcément, tu réveilles déjà, rien que de par les manettes ou là, la boîte à console, ouais. Beaucoup de souvenirs. T'as séché un peu la console? J'ai séché beaucoup de choses. Tu vas vite le savoir, mais que ce soit même les consoles portables, que ce soit les Game Boy, la grosse grise, la Color. C'était les premiers pas quand j'étais. Et voilà, très très jeune. Puis après, bah là, je vois le dernier étage. Le trio d'or. Mon enfance, il est résumé en trois consoles, là. Les PlayStation, donc toi, t'es plus déjà, t'annonces. Très PlayStation, et ensuite très tôt le PC aussi. On va commencer, on perd pas plus de temps, je pense, on y va. Alors, je vais te demander. Ouais. À toi de choisir quelle console tu veux absolument qu'on fasse. Bah, les PlayStation, je suis très à l'aise. Donc, ouais, je vais les trois directs. Et puis après, bah, la quatrième console qui me parle le plus, c'est la 360. Parce qu'il y avait. La 36. Il y avait des exclus de fou, Halo ou plein d'autres. Ouais. La manette Xbox, que j'ai trouvé quand même bien plus ergonomique, bien plus. Ouais, 3-6 du coup. Ouais, la 3-6. On est d'accord que c'est la meilleure manette ever. Ouais, en fait, c'était très très dur de revenir sur ce double joystick après. Mais bon, après, voilà, les DualShock 2, on a grandi avec celle-ci aussi, hein, franchement. Il n'y avait pas de joystick. C'est vrai, ça, il n'y en avait pas encore. Mais rien que le son de la Play quand elle s'allume, que ce soit sur celle-ci, la toute première, avec le gros logo, ou même sur la seconde où t'es dans un océan, là, il faut un jeu de lumière et tout, ça rappelle des souvenirs. Le gros ventilo derrière qui charbonne. Elles sont là, je sais pas si tu les as regardées, tu veux, ça te rappelle des choses, hein, la petite. Ah bah celle-là, la grise, ça me rappelle des sales souvenirs. Ah oui, c'était des cartouches. Non, ça c'était des cartes de sauvegarde. Carte mémoire, ouais. Alors attends, si je dis pas de conneries. Ah ouais, mec, tu pleurais quand t'avais un reset et tout. C'est 3 MB, un truc comme ça, tu vois. Tu mettais 3-4 sauvegardes dessus et t'espérais que personne n'écrase ta sauvegarde, quoi. Alors ça va voter hein, dans le chat. Moi j'ai voté PS2. T'as voté PS2? Ouais. Moi je l'ai voté aussi, hein, j'ai le chat en direct. Bon, c'est le cœur. Franchement, je l'ai voté PS2 aussi, je pense. C'est le cœur. Enfin, moi je suis né en 91. Oh, forcément. C'est serré. Hein. Alors moi je suis toujours surpris à chaque fois. La PS3 est vachement demandée souvent. On a la PS2, mais mec, il gagne à presque 1%, 2% par rapport à la PS3. Allez, je sors la boîte, on y attaque. Oula, PS2. Attaque. Alors là, tu vas voir. Là, tu vas voir, mon garçon. J'espère que ça va me parler. Déjà, tu vas voir des jeux mythiques. Je te laisse regarder. Regarder les jeux. Alors, qu'est-ce qui me parle? Je les sors si ça me parle. Ouais. Bon, déjà, les Metal Gear Solid. Mon frère était très, très fan de ce genre de jeu, donc je suis passé derrière. Alors, moi, j'étais le bourrin. Lui, il y allait vraiment. Ouais, bah, c'est un jeu. Le vrai Solid. C'est un jeu d'infiltration, donc il y allait sérieux. Moi, j'y allais, je faisais la guerre. Donc, ouais, Metal Gear Solid, ça me parle. Ah! Pardon. Ah, ok, d'accord. Let's go! Eh oui, monsieur! Alors, ça, quand c'était en gris, c'était pas genre. C'est un platinum. Ok, c'était. Ça veut dire qu'il a été méga vendu. Ah, pardon. Il était méga populaire. Parce qu'il y avait aussi une boîte en mode reconditionné. Non. C'est les gains platinum. C'est en J'avais jamais vu celui-là. Et quand il était méga vendu, il le ressortait. Ah ouais, mais non, c'était avant le remaster. Non, mais on va beaucoup jouer à Budokai, je pense. Hein. Ça, 100%, faut le lancer. Je vous laisserai pas le choix, le chat. Dynasty Warrior, mais. Ah, tu joues à Dynasty Warrior? Je me suis buté! Enfin, quelqu'un qui joue à Dynasty Warrior! Tu vois le. On est deux en France. Mais non, on est deux. Non, on est plus que ça. Il y a même, je crois, sur des plateformes, une série Dynasty Warrior. Ils ont pris les personnages. Une série. Le 2, c'est pas celui que j'ai le plus joué, mais. Pour ceux qui ne connaissent pas, Dynasty Warriors, qui est un jeu de combat assez fou à l'époque où il y avait des armées entières sur la map, des milliers de soldats, et tu bourrinais, tu mettais un coup d'épée, tu tuais 100 personnes. C'était des grandes batailles épiques. C'est trop stylé. Très spécial, mais très stylé. Burnout, j'y ai joué. Nice. Jeu de course, forcément, tout ce qui va être aussi jeu automobile, j'ai adoré. Donc les Need for Speed, les Burnout, on y a joué forcément. Il va sortir tous les jeux en fait là. Bah en fait je te dis j'ai touché à plein de choses parce que j'ai déjà joué aux jeux que j'aimais moi, mais en plus j'ai été influencé par mes cousins parce qu'on est une grande famille et le jeu vidéo c'est ce qui nous. Tu vois, on se captait à Noël et on sortait tout, on ramenait tous nos consoles. Donc bien ça. Il y avait tout quoi. Et sinon je pense qu'on est quasiment sur à peu près tout pour ta sélection ici. Parce qu'après voilà, comme je dis, le PC est venu assez vite dans mon quotidien. Je crois à l'âge de 10-11 ans, j'étais en mode après, j'ai mon PC quoi. Et comme je dis, mon frère il était à fond dedans. On allait au cybercafé, on jouait à Counter-Strike. Au bout d'un moment on s'est dit mais ce serait trop bien pour jouer à Counter-Strike
de la maison, tu vois. Ouais. Et bah en voulant jouer à Counter Strike, on a eu un setup cool, qu'on se partageait. Puis au bout d'un moment, j'étais en mode frère, j'ai envie d'avoir mon setup aussi. L'indépendance du gamer. Puis derrière, j'ai découvert plein de jeux qui ont changé ma vie. Dark Age of Camelot, très tôt dans ma vie, qui a tout changé. Je connais pas du tout, mais je connais le nom. Ah ouais, non, mais Dark Age of Camelot, c'est un genre de RPG chelou. Totalement, c'était un MMORPG, mais c'était celui qui avait été le. C'est l'avant WoW en fait. C'est... Ah, avant ouais, ouais. WoW, c'était celui, on parlait que de. Pareil, c'était en ligne. Tout pareil que WoW dans l'état d'esprit. Moi, ce que j'adorais, c'était trois factions. Donc quand t'avais du PVP, c'était pas genre les bleus contre les rouges. Ouais. C'était bleu, rouge, vert. Ouais, j'étais un gosse. C'est vrai qu'à cet âge-là, tu jouais à des MMORPG à fond et tout quoi. Je suis un full gamer. Quoi. Ça devait être moins anodin, tu vois. Ouais, bah ça se disait pas trop à l'école, tu vois. Ouais. C'était pas trop à la fond, bonne à l'école. Et du coup, j'avais ce côté où j'étais très sociable à l'école, full pote, on allait taper des trucs et tout. Et dès qu'il y avait vacances scolaires, c'est Spider-Man, le gars. Il me disait, mais tu fais quoi pendant les vacances scolaires? On entend plus parler de toi pendant deux semaines, je revenais comme mes marques. Moi, j'ai jamais touché à ce genre de jeu. MMORPG et tout, je n'ai jamais touché. Alors, est-ce que tu as fini ta petite sélection? Ouais, je pense sur PS2, on est bon là. Vous allez pouvoir voter dans le chat, voter pour ces quatre jeux. Kingdom Hearts, Dynasty Warriors, Dragon Ball Z Budokai et FIFA 06. De toute façon, je te dis, si on joue pas à Budokai, je repars avec. Moi, bon, franchement, si ça te fait plaisir, je te l'offre. Ah, mec, c'est incroyable. J'en rêve, mec. Vous vous rendez pas compte, vous avez pas joué. On fait deux caméras en même temps, faut tourner les joysticks pour prendre la main sur l'autre. C'est quand la dernière fois que t'as joué à une PS2? Quand on jouait tous à la PS2, quoi. Alors, tiens, je te tenais la petite manette. La manette, mec, la DualShock 2. Et tu vois, c'est ce sentiment de. On l'a tous eu, qu'on avait ces manettes-là à l'époque dans nos mains. C'était la folie. Et maintenant qu'on connaît ce qu'on connaît avec les manettes de nos jours, ça fait très chier. Surtout quand tu vois maintenant la manette de la PS5 qui est vraiment hardcore, qui est assez insane. Mais ouais, sinon, il y a eu. Bah, après, je crois que c'est plus PlayStation 3, mais Final Fantasy X. Mais c'est le jeu solo qui m'a marqué. Petite anecdote que je pense personne ne sait. Mon premier pseudo, c'était Tidus. Ah, d'accord, sauf que j'avais mis un Y. Et pendant 6 ans, mon pseudo, c'était Tidus, c'était YDUS sur tous les jeux. Tellement j'ai pleuré. Enfin, FF10 m'a fait pleurer. C'est le premier jeu où j'ai vécu une émotion où c'était pas du divertissement. Genre, vraiment, ça m'a pris, quoi. On est à 47%. Ouais, ouais. Non, mais merci. Je pense qu'ils le font pour me faire plaisir et ça me régale. Vous me faites trop plaisir. Ok, et ben on va commencer directement avec un duel sur Dragon Ball Z Budokai, mais uniquement si tu te rappelles du générique. Ça de la série, ouais. Pas du jeu. Non, du jeu. Mais non, je me rappelle pas du jeu. Moi, je crois que je me rappelle. Je vais le lancer, on va voir. C'est pas genre. Avec le mec qui court dans le bus dans la droite et tu pouvais le bouger. Ouais. Petit moment magique. Ouais. Ça. Alors ça, deux choses. Soit c'était le meilleur moment de votre journée, soit le pire parce que combien de fois le jeu ne marche pas, tu revenais, tu sais, t'avais une boucle sans fin. Ah ouais, c'était de l'intro, l'enfer. Quand ta console, elle commençait à mourir. Ça, c'était l'enfer. Et ça, oh, ce sentiment, tu perdais un bout de ton âme. Ça, tout le monde m'en parle. Ah ouais, bah ouais, c'est pas ça traumatisant. Il va y avoir le générique. Mais par contre, c'est moche. Ah bah... Là, wow, en plus, on est sur une télé qui est, comme tu peux le constater, immense. Ça n'existait pas à l'époque. Alors, les boutons. Ah, on met la reine, comme ça on peut s'éjecter. Trop stylé. Ah oui, et là, regarde. Tu pourras en faire pop plein. Mais quoi? Mais mec, je savais même pas. Mais si, tu crois qu'on faisait quoi pour un chargement? Et là, si jamais ça, ça spawn beaucoup moins vite. Mais du coup, tu as acheté combien de manettes par an? Ah, et t'as vu là, ça tu vas te les manger sur le bleu. Mais non, attends, mais il y a trop de touches, regardez. Vas-y, lis les touches à voix haute, moi je fais rien. Moi je suis le Goku orange, toi t'es le bleu. Bleu. On se tape pas au début? Vas-y. Oh ouais, mais non. Oh pardon. Vas-y, tu peux me le faire. Je sais pas comment j'ai. Okay. Non, mais tu vas te mettre en Super Saiyan ou quoi? Bah quoi? Non, c'est juste un Kaioken, on n'a pas le Super Saiyan. Oh, Kaioken. Ah ouais, mais je suis déjà mort. Tiens la bouille! Ah, bon, j'ai ce jeu est mythique! Ouais, c'est revenu. En plus, je peux te faire. Regarde, ça c'est dodge. Ensuite, je fais ça. Je t'envoie en l'air. Tiens, mon garçon! Oh mec, t'as failli me sortir du ring. On est trop concentré là. Ah, bah, c'est fini là. Ah, non, en vrai, tu me prendras pas, mec. Même si on fait 10 games, tu mourras jamais. Mais t'as joué combien d'heures à ça? Mais des milliers d'heures, quoi. Alors après, je me rappelle, parce que là, je te le dis à toi, mais tout est une question de gestion d'énergie. Hein. Tout le jeu tourne autour de ça. Donc d'accord. Là, quand je te vois comme ça, normalement, je te re. Oh, bah, là, c'est une pire idée. D'ailleurs, tu vas être en essoufflé. Genki-Lama! Non, pas ça! Si moi je dois faire un truc chaud, c'est quoi? T'as fait gaffe, hein? Prépare. Je crois que là il faut faire start. Ah non! Quoi? Faut faire quoi? Hein? Oh non, t'as win! En gros, fallait appuyer au le plus tard possible, t'es le. Let's go! Dégâts, tout est calculé! Ah, mais je pensais que c'était le QTE, je confonds avec un autre truc. Ah, mais j'ai perdu une barre de vie, genre. Ah oui, Genki-Lama, ça reste une fatality, mon frère. Ouais, je vais faire. Je t'avoue vaincu ou t'en mets une dernière? Oh, je suis complètement vaincu, mais après, si tu veux en refaire une. Eh, hey, je kiffe, je suis désolé, chat, je vous ai oublié, mais moi, je suis à fond là. C'est le feu. Moi, j'aime beaucoup Krillin. Krillin, cœur pur. Oui, courage. Le petit. Les trois jeux de combat comme ça que j'ai beaucoup cramé, ça a été Tekken, Soul Calibur et Budokai. Ouais, donc Tekken, j'ai tout, je les ai tous joués.
Ouais, il y a même eu Tekken Tag, je sais pas si t'as connu. Tekken Tag, tu pouvais jouer à deux dans la même équipe, tu changeais de perso. Ouais, j'ai pas fait Tekken Tag. Pendant le combat, c'était incroyable, j'avais adoré le concept. Et d'ailleurs, j'étais très étonné qu'ils font pas ça. Ah, tu fais l'erreur du siècle. Ouais. Eh oui, j'ai sorti les flèches, mon garçon. Attendez, attendez. Il a changé. Alors, on va passer à la prochaine console. Je suis quand même étonné à quel point tu te rappelles un peu des touches, des métalliques ou quoi. Naturellement. Ouais. All right, le PS3. Ça va être à toi de nous refaire une petite sélection. On n'est pas obligé d'en prendre 4. Bah, je pense que si tu prends la PS3, elle va passer. Prenons PS3 et la 360. La petite anecdote ouais, de la PlayStation qui est assez folle, c'est qu'à la base, c'est une création de Nintendo. Donc, la PlayStation, ça devait être estampillée Nintendo. Et c'est une technologie qui était avec les boîtes de l'époque, Thomson et tout, tu sais, qui faisaient des télés, qui faisaient des lecteurs de cassettes et de DVD. Et en fait, ils se sont dit, mais les gars, Nintendo, vous limitez vos jeux, c'est du 64 bits, enfin c'est de la cassette et tout. Il faut passer au CD. Et en fait, Nintendo est en mode, ouais, nous on est plus cassette et tout. Donc ils ont développé un... D'ailleurs, c'est un concept qui s'est vendu à je sais pas combien. C'est-à-dire le prototype de la Nintendo PlayStation s'est vendu à je sais pas combien. C'est genre un fils qu'il a hérité de son grand-père, machin truc. Et bref, Nintendo en fait a voulu un petit peu arnaquer Thomson et tout. Et du coup, ils ont fait, ok, bah on va la sortir sans vous. Et là... Et explosion. Ils ont sorti la Play et en fait Nintendo a créé son plus grand concurrent. Et bien du coup mon cher Dwag, alors, nous allons sortir la PlayStation 3. En plus c'est cool, on est sur des jeux qui sont un petit peu plus récents, qui parfois ont même été remaster il n'y a pas très longtemps. Hop là. Allez. Livraison spéciale. Ah oui de... Oh, Def Jam. Déjà j'ai vu ça tout. Ah il va encore me laver le fion. Def Jam, je l'ai vu. Alors c'est pas celui-là que j'ai joué, ouais. Ça toi me parle t'as pas, joué lui. À Def Jam. Le Def Jam de rue. Ouais, c'était cool. T'as les deux Last of Us, The Elder Scrolls, tu vois, c'est des jeux, ils ont l'air magnifiques, hein, je vois, mais... Lesquels ? Bah, The Last of Us, Elder... j'ai pas fait, moi, ça. Last of Us, tu n'as jamais fait. Non, alors j'ai dû lancer les 10 premières minutes. Waouh. God of War non plus, j'ai pas fait. J'étais fou le jeu PvP, Uncharted, ouais, j'ai pas là, fait. Du coup, comme on est sur Red PS3, Dead, j'ai pas fait. De... Mais t'as pas tant que ça, là, de jeux multi, je vois. Là, sur PS3, non. C'était ouais. pas... En fait, si tu te souviens, c'était pas la stratégie de PlayStation, hein. Eux, ils étaient vraiment sur du jeu solo, sur... Rappelle-toi, même le PSN était gratuit, il y avait pas grand-chose. Au début, il y avait pas beaucoup de serveurs. Je pense que... Je crois que notre bonheur sur la 360. Ouais. Allez, let's go, on part sur la 360. C'est le petit Joker de Dwag. Ça sort le Joker. Bah, ok, Xbox 360. On est sur la même génération de toute façon. Qu'est-ce qu'on a? Ah, putain. Oh, je viens d'en voir un. Je me rappelais plus que je l'avais. Ah, voilà. Je l'adore. Ah, Virtual Tennis. Déjà, je te le sors. Donc, Virtual Tennis, j'ai cramé. Donc, pareil, j'ai mis une centaine d'heures. Street Fighter, très tard. C'est le, tu vois, c'est le jeu de combat. En fait, ça m'a pas toujours. Enfin, j'étais pas très chaud avec les arcs, l'arc de cercle. Okay. Mais je m'y suis mis par curiosité pour savoir, pour comprendre, pour quand je vois des tournois. Gear of War, j'y ai joué. Parce que, bah, forcément, il y a un multi sympa. Banger. Très incroyable. C'était de la compétition sur Gears of War. Bah, je crois que c'était un peu le moment naissant des compètes. Ouais. Très très compétent. Je vais sortir celui-là. Ouais. Qui est. Ça me parle pas, mais. Une pépite. Ça s'appelle Table Tennis, ouais. Comme son nom l'indique, c'est du tennis de table. En fait, l'anecdote qui est incroyable, c'est que c'est un jeu Rockstar. C'est un des seuls jeux Rockstar comme hors GTA, licence qu'ils ont sorti comme ça. Et en fait, j'ai l'impression qu'ils l'ont surtout un peu utilisé pour utiliser leur nouveau moteur physique, tester un petit peu même les nouveaux graphismes et tout. Et il est trop bien. Vas-y, bon, on se le sent. Mais oui, je peux le mettre en petit Joker, mais bon. À même titre que Virtua Tennis, quoi. Mais c'est là que je me rends compte, mais en fait, j'étais déjà à fond sur le PC. J'étais déjà sur les MMO, là, je commençais déjà. Dark Age of Camelot, ça prenait beaucoup de temps. Guild Wars, ça prenait beaucoup de temps. Parce que tous les soirs t'allais train. Mais c'était des. Moi je jouais même moi en PVP. Socialement, mais aussi en termes de. Ouais, de réflexion. T'avais quoi? T'avais. J'avais 13, 14 ans. 10 et 15 ans. Ouais, ouais. Ouais, je crois que. J'étais à fond. Hein. Moi à cette époque, du coup, c'était la. J'ai jamais touché à ce genre de jeu. Mais je faisais à peu près pareil, mais sur Call of. Mais je faisais vraiment des compétitions. Je faisais des LAN. Je faisais la Skyline. Exactement ce qui se passait. Ouais, et c'est vrai, c'est pareil. Et en fait, je me suis rendu compte d'un truc, mais c'est fou. Comme à l'époque, sans s'en rendre compte, on était en train de construire quelque chose. Comme moi, par exemple, j'avais une équipe. On était genre 20. Je les gérais tous. J'avais des manager et tout, alors qu'on avait 15 ans, tu vois, et ça voulait rien dire. Mais en fait, on s'en rendait pas compte. Et aujourd'hui, quand tu regardes, bah, tu vois, il y a exactement la même chose, sauf que c'est dans des stades, bah ouais. Sauf que. Et c'est assez ouf. Mais moi, j'y croyais déjà. Ce qui a tout changé, c'est qu'après Guild Wars, j'ai eu League of Legends. Et League of Legends, même eux, ils ont fait e-sport. Pareil, moi, j'ai pas fait du tout. Moi, mon changement de vision, vraiment, ça a été GTA 5. Quelle belle époque, quel bon moment. Et du coup, tout a commencé sur Xbox 360. En tout cas, pour moi, ça fait grave kiffer de jouer à ça. Messieurs, dames, on va lancer le sondage. On a Gears of War, Table Tennis et Virtua Tennis 3. Je suis tellement chaud. Dans tous les cas, il y a de la raquette. Je suis très très chaud d'un Virtual Tennis. Ça existe encore le fait que sur les jaquettes, tu mets les articles. Ah ouais, à l'époque, c'était que ça. Une immense, incroyable, pure immersive. Tu sais, tu mettais le nom des. C'est quoi les médias? Attends. Bah, t'avais Game Radar là. Mais non, ils le font tout le temps sur les films. Le film est spectaculaire. Ouais. La grande force de la série, ce sont des matchs très fun, spectaculaires. À 4, c'est de la folie. C'est qui? Joypad. Est-ce que ça existe encore, Joypad? Je sais pas. Incroyable. On a eu les votes. Quoi? Merde.
C'est ex aequo. Entre? Bah table tennis et Virtua Tennis. Du coup bah c'est ton invité qui décide. Qui est l'invité? C'est lui là-bas. Ah merde. Tu dis quoi? Table tennis? Ah ok. Je pense qu'on peut faire les deux. Vas-y, je suis chaud. Cyril. C'était mon petit avatar de l'époque. Attends, mais c'est vraiment ta Xbox là? Non, mais j'ai mis mon profil dedans. Putain, par contre, j'ai ma Xbox. Allez, là-bas, tu veux que je te la montre? Je peux. Alors, je te la montre, c'est ma petite fierté. C'est sur ça que j'ai commencé toutes mes vidéos, toute mon aventure. Mais non, on fait genre c'est bien alors qu'on s'en fout, mais. Ça a l'air de lui faire plaisir. Regarde, regarde wow ça! Regarde ça! Ah ouais, customisé. Regarde! T'as mis des petits autocollants. Ah ouais, avec... Ma fameuse carte Neymar, c'était dedans. Incroyable. Vu que j'étais le petit, moi, des cousins, des frères, ouais, mon seul moyen de me faire entendre respecter, c'était d'être fort aux jeux vidéo. Ouais. Donc en fait, je m'entraînais de fou, et dès qu'il y avait repas de Noël ou repas d'anniversaire... Ah ouais, tu représentais. En mode, allez, petit jeu de foot, petit jeu de tennis, petit jeu de combat, j'étais là, mais j'étais en place, quoi. Je pense qu'on est un peu pareil, parce que moi, effectivement, j'étais très bon aussi, vu que je faisais des compétitions, des trucs comme ça, j'étais déjà très gaming. Et du coup, on pouvait me détester, quoi. Au sein de la famille, je battais mon père. En fait, on te déteste, mais on t'aime aussi, parce ouais, que tu c'est sûr. De... Mais tu sais, des fois, on voulait pas jouer contre moi, quoi. Ah, pareil. Les jeux de foot, j'étais en mode, bah en fait, tu sais, t'avais le fameux tu gagnes, tu gardes la manette. Ouais. Et en fait, au bout d'un moment, exactement, en mode, t'as plus le droit de jouer, quoi. Exactement. Sinon, je gardais tout le temps la manette. Alors, les jeux de foot particulièrement, d'autres jeux, ça va, ça tourne un peu plus. C'est parti, messieurs, dames, pour Virtua Tennis. Ouh loulou. Ça va être Raphaël Nadal de mon côté. Ah ouais, mais non, bah ok, non, bah, je prends Federer. Non, mais vas-y, vas-y. Nadal contre Federer, pareil, un jeu que j'ai squatté. Parce que là, il y aura la jauge, ah, je crois, la jauge d'énergie, ouais. Ok, super bon service bah dégueulasse. Et là, repart là-bas. Ah, je vois que ton petit revers, il est fragile, hein. Ouh, oh, ça plonge. La dalle en fond de cours. Bien placé. Qui peut charger? T'as vu? Je subis la ah bah là, violence. Là, on te voit. Et là, c'est la bonne. Et oh, non, tu savais, t'as joué au tennis. Ah, là, je... Ok, il va y avoir match, mesdames et messieurs. Yes. Regarde pas ma manette, regarde pas ma manette. Oh, la musique, elle est... Bah oh, le retour. Ça existe plus trop, les jeux comme ça, je crois. Bah, je me suis retrouvé à bien kiffer Mario Tennis grâce à un peu ce côté... Alors, c'est très arcade, hein. Ouais, parce que c'est tout ce qui reste aussi. C'est très arcade. C'est l'héritage. Mais en vrai... T'es chaud, mon zinc. Ah, après, t'es en bas. Ah, tu penses que ça va jouer sur le deuxième set? Je pense que ça joue quand même pas mal sur l'engagement, en tout cas. Nope. On en parle ou... En fait, au bout d'un moment, tu vas voir, je vais commencer à te mettre les... On va le CQ. Oh là là, la claquette. Mais pourquoi il saute? Oh, elle est belle. Ouais, bien joué. Bon, ça m'a coûté cher, mais on l'a retrouvé. Sois sympa. Arrête de me faire coup. Non. Va plonger, Martine. Arrête. Ah. 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 Non. Tu sais que moi je la touche pas du tout la balle en vrai. Je sais pas si le chat a vu mais franchement il y a... En boudrac. Ah ouais, non mais même pas, il y a un gros... Ah faut que tu fasses des services parfaits là, hein. Ça part de là. T'en remue, ah, tu t'en remues aux divinités carrément. Là il est horrible mon engagement. Ah bah, c'est, ouais, fini, c'est fini, j'abandonne, j'ai perdu. Bon, bravo, t'es pas de sous mec, t'inquiète, on comprend. Ouais, ah t'as vu, ça revient vite, hein. Ouais, j'avoue que là... Mais après j'ai passé des centaines et des centaines après, d'heures. Après, c'est bien parce que souvent les gens disent « Ouais, je suis trop chaud sur ce jeu. » Pour le gros, c'est avéré. Tu m'as dit « Je suis chaud sur Virtua Tennis, je suis chaud sur Dragon Ball. » T'es ouais, vraiment, vraiment chaud. Mais tu vois, tous ces petits trucs, les gens savent pas trop que j'ai cramé ces jeux-là étant ouais petit. Et ça m'a servi, ce qui fait que, en fait, le mindset que j'avais dans Virtua Tennis de comprendre « Ok, il a compris que je faisais ça, il y en a », j'en ai eu besoin sur LoL quand j'étais pro. C'est un truc que de toute façon, c'est dans le jeu vidéo et puis ça se retrouve bien évidemment dans le sport, donc encore plus dans les jeux de sport. Tu fais beaucoup mais ouais, de quand sport tu fais aussi, du ouais sport, c'est exactement pareil. Messieurs, dames, j'ai donc lancé le petit ah table tennis. Là, on est sur ton terrain, là. Franchement, alors vraiment, je n'ai aucun souvenir de comment ça se joue. Ouais. C'est exactement comme Virtua Tennis, okay, mais c'est du ping-pong. On est donc sur un jeu Rockstar. C'est vraiment genre un ovni. Une anomalie. Ah, c'est une anomalie. C'est pas ce que ça fout, là, mais c'est là. Donc voilà, on est sur, du coup, table tennis. Et regarde déjà comme c'est bien fait, quand même. Alors, bon, il passe mon service, ouais. Ah, c'est technique, hein. Ouais, ouais, ouais. Eh okay, oui, mon garçon. Bah. Oh là là là, ça joue, hein. Oh, slow motion. Carrément. Oh, oh. Missile. Bah. Panique. Oh là là, eh oui garçon, eh oui, tu pars à droite, moi je tire à gauche. Alors, on l'ouvre moins là sur le ping-pong, ouais, hein. Je m'adapte petit à petit, c'est en 11 de toute façon. Je t'avouerai vraiment que je ne me rappelle plus des touches et des méta, vraiment. Je sais pas si t'as remarqué, mais on se recadre dans l'époque, on est en 2007, comme ça, la physique du jeu, physique c'est de la balle. Mal, ouais. En vrai, c'est méga bien fait, moi je trouve. Ouais, je suis assez d'accord. La réaction de la balle sur la table, enfin c'est intuitif, toi tu as jamais joué, tu sais déjà jouer, enfin c'est oui, assez... Oui, oui, oui.
Non. Eh oui, mon garçon. Et c'est la win. Luc, trop fort. On se rend compte qu'effectivement, le graphisme est très avancé. Et nous allons passer à la console suivante. À toi de choisir. Combien de boîtes tu veux qu'on mette dans le sondage? On va en mettre 3. Comme ça, on va laisser le choix au chat. Et on va mettre du coup les 3 univers. On va mettre Xbox, Play, ouais, les deux premières. Alors GameCube ou Wii? Et on va mettre la GameCube. On est bien évidemment sur une grosse victoire. Je suis assez surpris. C'est la PlayStation qui remporte avec, ouais, 40%. Qui est pas négligeable. Voyage dans le rétro. Là, c'est un voyage dans le passé. Là on passe sur du pixel. Je te laisse sélectionner, oh, du coup. Ah oui, c'est vrai que c'était comme ça avant. Les petites jaquettes de l'extrême. Bah PES, j'ai 100% joué à PES. À celui-là, PES 2? C'est sûr. Est-ce que tu te rappelles juste que j'ai démarré sur Play les PES. À cette époque-là. Donc t'as PES FIFA, ça s'appelle FIFA Soccer, c'est pas hyper répandu, mais est-ce que tu te rappelles à cette époque il y a plein de jeux de foot, dont des jeux genre Marcel Desailly Football. Oui, t'avais le spécial Coupe du Monde, spécial. Driver, j'ai cramé, bon sur PC, nice, mais forcément. Ah ouais, sur PC Driver. Ouais, il y avait Driver. Tekken, forcément je le ressors. Celui-là, moi celui-là j'y ai jamais joué. Tekken j'ai joué 100%. Rayman j'ai joué, comme je te disais, je jouais très peu à du jeu solo, mais c'est vrai que celui-là c'était un petit jeu d'aventure, j'aimais bien. Oh, Racing CTR. Alors j'y ai pas joué parce que les seuls jeux de ce type-là c'était Mario Kart que je jouais, mais on a beaucoup parlé en mode c'était la concu à Mario Kart. Ça, pour ceux qui connaissent, Crash Bandicoot Racing, c'était vraiment mythique. Ouais, c'était vraiment le copier-coller de Mario Kart. Oh, Star Wars La Menace Fantôme, 100% j'ai joué. Mais il était trop dur. Il fallait trouver des, comment ils appellent ça, Crédit Républicain. C'est ça. Il te spam avec ça. Trouver les crédits Crédit Républicain. Tout le monde spammait, tout le monde voulait Tekken. Ouais. Je vais prendre Pro Evolution Soccer 2. Et on peut se faire un petit Crash Bandicoot si jamais ils veulent un peu un jeu qui change, quoi. 50€. Oui, comment ça se fait? Bah ça commence à dater, quand c'est plus difficile à trouver, si tu vas en magasin, ça taxe. Hein. Regardez ce CD Platinum, brille des mille feux. Tekken tout carré. Déjà rien que la jaquette, si vous voyez la gueule des persos. Alors que c'est la jaquette, tu vois, où ils sont censés envoyer un peu du lourd. Là, on est en 1999. PES2, Tekken ou Crash Bandicoot, à vous de voter. Ah, mais non, maintenant. Et ben on est sur du 38-38 Crash contre Tekken. Et ben écoute, visiblement tu vas en découvrir un nouveau. Un petit Tekken, ça va être le feu. Oula. Ouais, il y a du pixel. Avec ses vieilles couleurs et tout, memory card. Là, c'était tes sauvegardes et puis c'est tout, quoi. Et on est parti sur Tekken. Nous voilà dans les années 90. Wow. Alors, est-ce que tu te rappelles un peu de ces beaux graphismes, ces têtes bien carrées? Je vais te mettre un perfect si tu continues. Ah, dommage. Wow. Wow. J'ai l'impression qu'il n'y a pas beaucoup de combos. Bah j'arrive même pas à faire la roulade qui est mythique sur là ou quoi. Il n'y a pas 1000 combos, tu vois, c'est... Ah! Oh! Ça y est, elle est revenue. Oh! J'ai pas la prise dans le dos, j'ai pas réussi. Oh, je l'avais! Non, je l'avais! Wouh! 1-1! Time's up! Ah, je t'ai fait une de ces esquives, j'avais juste un point, c'était oui. Ça se voit que t'es bon dans le repositioning. Oh! Non, non, ça se joue à 1 mm. Ah, t'as gagné, c'est le jeu. C'est vrai, c'est vrai, c'est la pire histoire. C'est un beau match. Hein. Eh, par contre, à la fin, il n'y avait plus de son, plus d'images. Tu as toujours ton turbo petit joker pour une dernière petite game. Je vais l'activer, je pense. De PES, du coup? Ouais, on va aller chercher un bon PES. Alors, peut-être pas le 2. Voilà, par contre, il n'y a que le 2. Ouais, tu veux changer de console et... Ah ouais, tu veux mettre sur une autre console? Ouais, je pense. Mec, je crois que c'est celui que j'ai le plus cramé. Parce que cette jaquette, elle me parlait. Il y avait cette jaquette et il y avait la jaquette avec le coach, le chauve. Oui. Alors, je sais plus c'est le combien, mais c'est les deux que j'ai le plus cramé. Le 4, je crois. Le 5, c'est Thierry Henry. Didier Drogba a dit Pro Evolution Soccer, le jeu de foot le plus réaliste au monde. Il a dû prendre un bon billet à l'époque. Il a surtout très tort actuellement. Avec jeu en réseau, c'est genre un argument de fou. Ok, on est parti, messieurs dames. PES 6, jeu de Konami sur PlayStation 2. La grande époque de Pro Evolution Soccer, qui aujourd'hui s'est complètement cassé la gueule. Donc toi, t'as qui? T'as Adriano Ibrahimovic, Figo. Waouh. Ah ouais, mais gros. Moi, j'ai un peu déjà... Très, très peur, ton équipe. Trio d'or. Ah putain, temps plus vieux. Regarde-moi ce stade, ces graphismes, ces supporters, ces drapeaux. Allez, c'est parti. Ouais, c'est les flèches, hein. Ouais, c'est les flèches. Non, moi, je joue joystick. Ah, les deux marches. Ouah! Je t'ai parlé là! La chandelle! Oh là là! Il se promène! Oh, c'était chaud, frère! Il se promène! Oh là là, il récupère! Non, 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 pas. Oui! Bah! Oh my god! Comme... Let's go! C'est quoi ce jeu? La pralinette! Le centre en retrait, il déborde! Mais les gens qui se plaignent des jeux de football aujourd'hui, mais arrêtez! On joue la faute. Y'a pas faute. Monsieur! Monsieur l'arbitre, vous avez un sifflet, il faut l'utiliser, il faut faire quelque chose. Très bien, monsieur l'arbitre, ne l'écoutez pas. Van Persie, Van Persie, Van Persie. Rien du tout. Van Persie. Rien du tout. Il panique pas, il ne stresse pas. Voilà, il joue derrière, c'est bien. Voilà, on récupère, c'est bien. Oh, oh non, pas comme ça. Non.
Non, monsieur. Non, monsieur. Let's go. Non, monsieur. Let's go. Pas sur une erreur comme ça. Putain. On va aller en prolongation. On va aller la chercher, cette victoire. Et c'est ce qu'on appelle, si je puis me permettre. Mec, j'en ai marqué des milliers. Un but PES. Ah, je suis obligé, on est sur PES. Je reviens au jeu. J'en ai marqué des milliers de buts. Ah bah ouais, c'était la. Et là, j'ai vu, j'étais en mode aujourd'hui. Oh putain, c'est une pression ce match. Eh, attends, petite pause là, gros. Il fait travailler là, le Siri, j'ai pas signé pour ça. Allez, une minute. Ouais. Oh. Le centre d'Oukas. Allez, second poteau, Pavard. C'est fini! C'est fini! C'est finito, votre Cyril! Il est finito! Non! Laissez-moi juste quelques minutes de jeu, c'est du fast learning, les gars! Ah, l'erreur! Chiché! L'erreur! Oh, ouais, bah ouais, bah là. Eh, Yamin! Yamin Thierry Henry! La vie de ma mère, Yamin Thierry Henry, je te jure! La vie de ma mère, Yamin! Yamin! C'est quoi ce jeu? Le scandale! Le scandale! Il s'est passé la main, gros! Mec, mon fou! Moi, je prends! Ah, je suis content! Putain, je suis content! Bravo! Ah, je pouvais pas perdre ton PES6, mec! C'était un beau match! Mais qu'est-ce qu'on est nuls! Bravo pour la victoire! Merci! On va se dire au revoir aussi sur ça, je pense qu'on va se quitter! C'est vrai, t'as kiffé l'expérience de retourner un petit peu sur tes. Sur les anciens jeux! Alright! Cool. Merci beaucoup pour l'invitation! Bah, merci à toi d'être venu, j'espère que ça t'a plu! Encore une fois, bien évidemment, merci à tous les viewers, j'espère que ça vous a plu aussi ce petit épisode bonus en live. N'hésitez pas à vous abonner à la chaîne, bien évidemment, et puis à laisser un petit pouce bleu. Et puis on se retrouve pour d'autres épisodes, et nous on se retrouve pour une prochaine. Dwagby, au plaisir quand tu veux. À bientôt. Salut.